Yo Timéo, ça veut quoi? Alors, attends, hop, faire ça. Notification Timéo, elle est grave. Impeccable, ça qui est bon. On va attendre un petit peu que ça rejoigne, un petit peu. Ok, c'est bon, on m'entend bien. Pec. De toute façon, normalement, 21h, la notif Insta, elle doit. Elle a dû se mettre. Ouais, voilà. Alors, tout va bien, tac. Bon, nickel. Bon, allez, on va attendre que ça rejoigne. J'ai oublié de préparer ça. Yozork, ça vaut quoi? J'ai oublié de préparer mes captures. Ouais, c'est important les captures. Sinon, comment tu veux que je fasse le stards? Hop. Tac. Là. Attends, il est bon là. Picorbe. Bon, après, les vendredis, hein. Les gens, faut pas les presser, hein. J'espère que ça bug pas, en tout cas. Pourquoi? Pourquoi ça me met pas le nombre de visionnages? J'ai l'impression que ça bug un peu, non? Pourtant, je suis dans le vert. Je suis dans le vert normalement. Pourquoi ça ne marche pas? Pas un problème d'encodage, non? Désolé. Bon, ça devrait join. Il est tranquille, hein. Alors. Ouais, je sais pas, c'est calme, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est pas comme la semaine dernière au niveau de l'affichage. Mais un coup c'est deux, un coup c'est un. Pourquoi ça fait ça, wesh? Qu'est-ce qui se brose? Qui est-ce qui se pose? Pourquoi ça bug comme ça? Mais juste tu direct con mais. Yo nono, ça vaut quoi? Non, ça devrait pas bugger. Yo si... Oh attends. Yo NFK, ça vaut quoi? Putain, c'est incroyable, mais ah ouais, en vrai, mais à mon avis je pense que YouTube est en gros PLS là. C'est pas ouf là. En fait, j'ai mon nombre de visionnage, genre il bug de ouf, c'est abusé. Ok.
Un coup ça baisse, un coup ça augmente, je comprends pas ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Ça va bien se mettre à un moment donné à marcher comme effort. Ah ouais. Oh, comment vous allez depuis samedi dernier? Yo Max, ça vaut quoi? Du coup, wow. 1, 2, 3, bon, j'ai un petit peu avancé, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde, histoire de vous montrer un peu tout. Là, je vais juste faire en attendant que ça arrive. Peut-être que les gens sont pas encore chez eux, c'est pour ça aussi, je sais pas. Ça va sûrement venir dans pas très longtemps. Le live se lance doucement. Doucement mais sûrement. Ne vous inquiétez pas. Yo, Martin, ça vaut quoi? Ouais, ça, Martin. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas fluide au niveau des messages, c'est ouf. C'est pas comme la semaine dernière, genre. J'ai l'impression qu'on a un putain de décalé. C'est moi ou c'est juste une impression, quoi. Oh putain. Ouais, ça va, nickel. Non, bah c'est bon en fait. Vas-y, pas de soucis, hein, t'inquiète. Hein. Principal, c'est que tu passes, tu mets ton petit pouce bleu comme d'hab, t'as vu. Puis voilà, le reste tranquille. Du coup, ce que je vais faire, si je fais ça, tac. Une, deux, trois, non, ici. Non, faut que je fasse ça du coup. Ouah, ça va faire beaucoup là, non? Est-ce que ça va... Ouais, non, ça va... Ouais, quoi que... Ouais, fuck. Ouais, non, mais t'inquiète, pas de soucis, Martin, pas de soucis. T'inquiète pas. Bon, est-ce que les gens seront beaucoup plus actifs le vendredi? Ou est-ce qu'ils sont plus actifs le samedi? Parce que la semaine dernière, du coup, j'ai fait un live samedi. Franchement, pour un live retour, en vrai, c'était cool. C'était assez plaisant. Alors, est-ce que le vendredi, pareil, est-ce que du coup le vendredi, vous êtes toujours OP? C'est la question que je me pose. Je pense que oui, je pense que faut le temps, peut-être que les gens mangent. Ou... C'est vrai qu'après 21h, en vrai, j'ai peut-être pas choisi la bonne heure quand même. J'aurais peut-être dû commencer à 21h30, genre, je pense. Tac. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Disney. Je regarde pas du tout les Disney plus. Je crois en plus j'ai la chaîne, il me semble. Du coup, je suis abonné à Canal, du coup, je dois avoir la chaîne gratos, il me semble. Pourtant, il n'y a pas de match ce soir. Non, c'est demain, je crois, la Ligue 1. Ça reprend demain.
Donc normalement les gens sont censés être là ce soir. Après il y a Koh-Lanta, je sais, qu'il y en a qui regardent Koh-Lanta. Re Timéo. Ok. Bon je pense en vrai je pense que ce soir ça va être un petit live tranquille, un petit peu chill. Je pense qu'il va y avoir du monde, mais pas cumulé, je pense. Peut-être. Ça va être tranquille, je pense. Ça va être. Peut-être attendre que les gens, ouais, je sais pas, finissent de manger. Je sais pas. Alors, gros, en vrai, tous les Disney, gros, je connais pas. Enfin, j'aime pas, en fait, toi. Donc, je m'y intéresse pas du tout. Après, ça va être cool, hein, mais je m'y intéresse, mais alors, absolument pas. C'est pas les. C'est pas. Toi, c'est pas mon truc, quoi. Franchement, regarder les Disney, moi, non. Non, non. Après, je respecte, attention. Je respecte que les Disney. C'est cool, hein, mais. Moi, c'est pas mon truc, quoi. C'est. Non. C'est pas mon délire, t'as vu. T'as les gars, franchement, les. Putain, même sans calculer ça, quoi, j'arrive pile poil, quoi. Non, mais. Oh là là. Ah, je suis un monstre. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Non mais merci, c'est faux. Oh, oula, oula, qu'est-ce que j'ai branlé là par contre? Ouais, c'est ce qui me semblait. Hop. Là. Ça prend forme. Ah, c'est Marvel. Ouais, bah toi, je me connais. Hein. Tout ce qui est DC Comics, Marvel et tout. C'est pas mon truc, quoi, toi. Bon voilà, ça a pas mal. J'ai avancé hors cam, hein, les gars. J'ai avancé carrément hors cam. Ça, c'est bien, on a 10 gemmes. C'est cool. Merci. Mais j'ai l'impression que mon nombre de vues ne suit pas du tout le nombre de gemmes. Enfin, c'est un truc de fou. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de voir deux visionnages, trois visionnages, mais les gemmes, ils montent. C'est cool. C'est sympa. What the fuck? Bon bah voilà, on a déjà pas mal avancé. Ouais, voilà, je vous l'avais dit la semaine dernière que du coup j'allais pas faire forcément tous les lives à chaque fois que je vais avancer sur le hall Tony Garnier, tu vois. Mais c'est quand même déjà assez représentant de ce que ça représente, quoi. Oui, bah c'est logique en fait, représentant. Ouais. Ouais, c'est logique. Ouais, bravo. Ouais, perspicace, ouais. Salut, ton son n'est pas assez fort. Peut-être parce que je parle pas assez fort. Le son du quoi? Du micro ou le son du jeu? Ça vous plaît. Normalement, c'est censé être bien là, non? Non? Putain, pourtant, je change pas du tout les paramètres. En vrai, ouais. Je change pas du tout les paramètres. Genre, c'est bizarre ça. Genre en fait à chaque live limite faut tout que je reparamètre, c'est casse-couille. Hein. Je vous jure c'est abusé quoi. Le son de ton micro, ok alors bougez pas, bougez pas. Tac tac. Paramètres. Mais non mais non. Tu fais quoi là? Portez quoi? Propriété de l'audio avancée. Hein. Beurre du M1. Allez. On va monter comme ça. Tac. Est-ce que là c'est un peu mieux? Faut pas trop que ça grésille non plus dans vos oreilles, vous voyez. 3-5, je pense que c'est bien. Hop. Fermé. Est-ce que là c'est déjà mieux? Je pense que oui. Après c'est parce que je suis peut-être loin aussi du micro, hein, ce qui est possible aussi. Hein. Et puis je parle un peu doucement, j'avoue. Je suis pas encore dans l'euphorie de gueuler, toi. On regarde pas un match de foot. Mais je pense que ça devrait le faire. Hein. Que ma barre de son elle est un peu augmentée. Donc, ça devrait le faire pas trop mal. Non. Bon. Bon. Je vais vérifier quand même si le son est bien. Bon. Bah, ok, il est bien. C'est ton son en fait, il est pas bien.
très bien mon son. J'ai posé le portable sur mon classeur, ça fait un petit boucan par contre. Bon, du coup, on en était où? En tout cas, merci de me l'avoir dit, c'est cool. Donc il y a ça, ça. Est-ce que je fais la ligne de métro qui passe devant? Bonne question, hein. Questionnade? Is a bonne questionnade? Bon, je pense que oui, hein. Je pense qu'on va faire un petit peu la ligne de métro. Enfin, de tramway, je veux dire, pas le métro. Parce que vu qu'il y a un petit tram qui passe juste devant, on va essayer de le faire. Ce serait con de pas le faire, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des rails. Il nous faut des rails. Rails. Sous les rails. S'il vous plaît. Je les ai passés 15 fois à mon avis. Allez, les rails. Sous les rails. Pas de rails maintenant. Putain, je suis aveugle ou comment ça se passe? Je pense que je suis aveugle. Hein. Allez. Ils sont là. Tac. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Ah, bah voilà. Oui, ça rejoint. Yo la game, c'est la base, ça vaut quoi? Yo Florent, yo Trixiki, ça vaut quoi? Ouais, t'as fini le boulot. Ouais, je suis en week-end depuis 13h, moi, nickel. Ça va? J'espère que vous allez bien depuis samedi dernier. Ah ouais, direct, question directe, quoi. Y a-t-il des joueurs de Lyon que tu détestes plus que des joueurs de Saint-Étienne sans compter les joueurs passés par les deux clubs? Attends, y a-t-il des joueurs de Lyon que tu détestes plus que des joueurs de Saint-Étienne sans compter les joueurs passés par les deux clubs? Ah oui, ok, ouais. Genre, il y avait Rachid Ghezal que je kiffais pas du tout. Y avait qui? Il y avait Claudio Beauvue que je kiffais pas du tout. Puis ouais, voilà quoi. Après, dire que ça, c'est vraiment les deux pires joueurs que je kiffais pas quoi. Après, dire que ouais, non, il y a quand même des joueurs en vrai qui sont quand même que je kiffe pas tellement, mais qui je peux pas dire que je les kiffe moins que je les kiffe, oui, moins que Santé. Non, oh putain, qu'est-ce que je viens de dire? Attends, on rembobine. Il y a des joueurs de Lyon que je kiffe pas du tout, mais je les kiffe plus que Santé. Ah, c'est mieux comme ça, c'est plus clair. Parce que là, je me suis embrouillé tout seul, je fais. Ouais, mon gars. Et je reprends pas avant mardi midi. C'est propre, ça. 13h, pardon. C'est propre. Ah, franchement, c'est propre. Hein. Oh là là. Non, mais voilà, après, c'est tout. Qu'est-ce comme ça. Bon, alors là, c'est la route. C'est la croûte. Tu vas faire la tour in city, c'est la tour, attends, c'est quoi la tour in city? Qu'est-ce que tu parles de la part Dieu, c'est le crayon? Bah, attends, je vais voir ça. C'est pas la tour qui est à côté. Est-ce que j'ai bien celle-là? Ouais, ok, c'est la tour caisse d'épargne quoi. Pourquoi pas? Clairement, pourquoi pas? Ouais, après le live, je geek, ouais, Louis. Pourquoi pas? En vrai, je verrais bien. En vrai, honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Je verrais bien un petit quartier, vous savez, un petit peu comme à la Défense, vous voyez? Et genre, on met la tour Crayon avec du coup la tour In City. On pourrait mettre quoi? On pourrait. Bon, en fait, mettre tout ce qui est en haut. Enfin, un tout petit quartier vraiment bien sympa. Toi, je pense que ça pourrait être stylé, quoi. Et pourquoi pas les faire toi ici là, juste à côté du hall Tony Garnier. Tu vois, c'est vraiment en fait de se créer un petit village tout autour du stade, vous voyez? Parce qu'en fait, je vais pas reproduire Lyon, hein, clairement. Hein. Je vais pas reproduire Lyon de A à Z. Hein. Comme je vous ai dit, je vais juste reproduire les monuments qui a le emblématique, on va dire, de Lyon. Mais je me dis, ça peut être cool, toi, de vraiment te faire un village complet et de suivre à chaque fois tout le vide qu'il y a autour du stade. Et en fait, le stade, si vous voulez, il va être posé et tout autour, on va essayer de créer un truc de bâtard. Tu pourrais construire le théâtre gallo-romain de Lyon. Ah ouais, je l'avais visité. Enfin, je sais pas, je l'avais. Je... Non, je l'avais pas visité. Genre, pour ceux qui habitent à Lyon, genre, quand j'y suis allé il y a 2 ans, genre, j'avais mangé à Waffle, je crois. C'est des espèces de gaufres avec des trous dedans que tu manges. Et en fait, je me suis arrêté dans le Vieux-Lyon. Et puis, du coup, ouais, je me suis. Ben, en fait, on s'est arrêté. On a mangé à côté du théâtre gallo-romain. Mais pourquoi pas, ouais, du coup.
Pourquoi pas? Après aussi, pourquoi pas faire le parc de la Tête d'Or, mais ça va être compliqué, ça va être très long, je pense. Ça va être très long, mais à voir quoi, pourquoi pas, toi, ça peut être une bonne idée. De le faire, t'es à l'opposé là-bas, je sais pas, on verra. Après, il y a le musée des Confluences, exact, ouais, qu'on peut faire. Genre, histoire de. Pourquoi pas se faire un petit. Tu sais, un petit coin d'eau. Pas spécialement le Rhône, vous voyez. Mais comme un petit lac. Puis on met le musée Confluence dessus. Comme ça, au moins, c'est représentatif de où il est, en fait. Avec le petit. C'est là qu'il y a marqué, je crois, on lit Lyon, il me semble. Oui, c'est là. Donc, ouais, pourquoi pas, ça peut être un bon délire, quoi. Non, mais il y a plein de trucs en vrai à Lyon à faire. Hein. Après, voilà, hein, je dis pas que je vais tout modéliser l'intérieur comme le Groupama Stadium, mais déjà, au moins, bien faire l'architecture, pardon, extérieure. Je pense que ça peut être cool, quoi, clairement, quoi. Ça peut être carrément cool. Mais du coup, ouais, je me tâte à faire une petite ligne de métro qui rejoigne un petit peu là-bas. Parce qu'en vrai, on va essayer de le faire à notre sauce. Bon, le Groupama Stadium, clairement, il est vraiment. Enfin, vraiment. Il n'y a pas grand-chose. C'est comme la réalité, on va dire. Mais après, pourquoi pas, tu vois, là, j'ai continué du coup le tramway. Donc, pourquoi pas le continuer et puis faire une espèce une ligne de tram, tout simplement, assez stylée, quoi. Et comme ça, au pire, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est après, une fois que le village sera bien bien avancé, c'est éventuellement avec des man-cartes le faire automatiser, et puis comme ça, on pourrait visiter la ville, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être un bon délire, je pense. Il y a ma future maison à faire aussi. Ah ouais, bah je crois qu'il y a un. Attends, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a un entrepôt désinfecté à côté du Groupama Stadium, je crois. Je vais faire ça pour toi, si tu veux. Tu as vu le nouveau projet de Lyon Part-Dieu? Non, du tout. Du tout. Donc voilà quoi, après on va essayer de faire quand même des trucs stylés, ça peut être marrant. Bon là, toi on est bientôt. Enfin, en vrai, je pense que j'ai quasiment fini le hall Tony Garnier, honnêtement. Donc on n'est pas trop mal quoi. Pour ceux qui n'avaient pas vu le devant, je vous montre quand même. Je vous montre ce que j'ai fait hors cam. Bon. On le reconnaît quoi, clairement les gars, si vous me dites qu'on reconnaît pas le hall Tony Garnier, à un moment donné je peux pas faire mieux. Voilà. Les Lyonnais, si vous avez un, si vous reconnaissez, dites-moi si ça c'est représentatif et si c'est vraiment réel comparé. Enfin, je pense qu'on est bien, je pense. Je pense qu'on est vraiment bien. Enfin, je pense. Après voilà, moi je veux pas. Donc, juste finir, parce qu'après, ouais, il y a la route. Après, la route qu'on va pouvoir faire, c'est à la limite, la faire un peu birfu qui est par là, et peut-être rejoindre la route qui est là-bas, je sais pas si vous voyez. Donc, je pense que ça peut être cool de faire ça, ouais, carrément, en fait. Comme ça nous fera un petit quartier, puis pourquoi pas après faire un truc ici avec des habitations, je sais pas. En fait, ouais, on va clairement créer un petit village avec des choses de Lyon. Et tu connais la Duchère, non? Après, je connais pas spécialement Lyon-Lyon, hein, tout non plus. Je connais Lyon même, mais pas. Je connais pas tous les quartiers, quoi. Mais après, je regarderai sur Internet en fonction de savoir ce qui est bien à faire. On va essayer aussi de faire Place Bellecour. Après, je dis honnêtement, faire Fourvière, je pense que ça va être très très compliqué. Bon, après, je fais le Groupama Stadium, mais je veux dire, ça va être, je pense, très compliqué de le faire. Mais après à essayer quoi, je pourrais peut-être essayer de commencer hors cam et puis on verra ce que ça donne quand même. Si tu veux, vas-y, mais je les ouvrirai après le live. Hein. Et je te répondrai après. Mais à voir quoi, du coup, ouais. Pareil, après continuer aussi ce qu'ils vont faire tout autour du stade, quoi. Quand on avait fait les hôtels, je sais qu'à mon avis, il y a un truc qui va se monter là, qui est en train de se monter, mais j'attends vraiment qu'il soit fini, quoi, parce que. Non, mais je connais la part du centre commercial, bah, bien sûr que je connais, calmez-vous quand même. Mais après, ouais, pourquoi pas le refaire, ouais, ça peut être cool en vrai. Oh, ça va être long. Hein. En vrai, là, on pourrait tellement faire des trucs de bâtard, c'est un truc de fou. Hein. Ça va être long, hein, par contre. Ça va être très très long. Pour ça, là, on a déjà fait le hall Tony Garnier. En vrai, c'est con parce que clairement, j'ai même rien à rajouter là. Clairement, il est quasiment fini quoi. Même l'intérieur, je l'ai un petit peu modélisé. Après, je sais pas, en vrai, je pense qu'après, on va s'attaquer à la tour Crayon, quoi, je pense. On va s'attaquer à la tour Crayon. Pas aujourd'hui, hein, mais je pense dans le prochain live Minecraft, on s'attaquera, ouais, à la Part-Dieu, je pense. Enfin, à voir, je verrai. Je veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'il y a forte chance qu'on parte dessus, là-dessus. Ouais.
Bon. Concrètement, je vais regarder mes plans. Parce que ouais, du coup, le métro, il passe. Le tram, pardon, il passe là. Tac, tac, t'as la route qui est juste derrière. Ok. Ouais. Ok, bon, ce qu'on va faire pour ce soir, on va faire la ligne de tram. Et du coup, il y a combien? Il y a deux voies, du coup, ouais, on va faire la ligne de tram et puis on va faire la route qui suit. Yo Elouane, ça vaut quoi? Donc le tram, c'est simple. En fait, la route, si vous voulez, on va, hop, on va la continuer jusqu'ici. L'autre côté, pareil, et puis on va tracer une route ici. Comme ça va les rejoindre. Ça pourrait être pas trop mal. Ok, bon. Pour l'instant, on va faire le tram. On va faire oh, putain. La délimitation du tram. Tu peux nous faire un petit tour de ta map, s'il te plaît. Ouais, alors attends, 2 minutes. Je fais juste ma petite délimitation. Oh, y a rien hein, sur la carte, hein, t'sais. Il y a juste ça là. Hein. Le get ça. Voilà, il y a juste ça quoi. Il y a juste le hall Tony Garnier, après c'est tout. Hein. Honnêtement. Y a pas grand chose quoi, clairement. Y a pas grand chose. C'est déjà pas mal. Non, je déconne, après y a ça, toi. Genre. Y a le Groupimi Stadium. C'est vrai que c'est. En vrai, c'est ouf hein, quand on est de là. Eh, ça rend... eh, en vrai, ça rend joli, hein, je trouve. Hein. Ça fait vraiment un petit décor de ouf, quoi. C'est super joli. Genre, imaginez, vous vous baladez là, toi. Toi. Regarde, juste plan, toi. Bon, ça... enfin, dans ce sens-là, plutôt. Toi, tu te balades tranquille, hop. Puis là, tu vois le hall Tony Garnier qui est en face et tout, toi. Mais juste ce plan-là, il est super. Enfin, c'est super beau, toi. Genre, ça rend super beau. J'aime bien. Je kiffe, quoi. Ouais, grave, je kiffe de ouf. Donc imaginez, toi, imagine vraiment, genre la tour et tout, mais un truc vraiment stylé, qu'on prend vraiment le temps de construire, franchement. Ah, mais attends, c'est pas fini, attends, là, je t'ai pas tout montré. Donc ça, en soi, c'est la carte actuellement, toi, voilà, avec le Groupama Stadium, voilà, bien sûr. Non, mais après, voilà, quoi. Franchement, j'aime pas trop Lyon, toi. Hop, le Groupimi. Oh là là. Il fait plaisir. Il fait plaisir. Nya. Il fait plaisir. Avec le centre d'entraînement, tac tac. Bon, de toute façon, je vais pas faire ça tout le temps à tous mes lives. Hein, mais, vous connaissez la chanson maintenant. Puis voilà, là, je me suis juste arrêté là. Virage sud. L'intérieur du Groupama Stadium, il est magnifique. T'as vivement qu'on y retourne, hein, ma parole, quoi. Putain. Je vous jure. Ça rend fou. Hein. Puis voilà, bon là, vous inquiétez pas, c'est un ancien village qu'il va falloir reconstruire. Puis voilà, quoi. Hein. C'est pas trop mal. Puis bah là, c'est la route, quoi. C'est bien parce que du coup, on a fait déjà toutes les routes autour du Groupama Stadium, donc ça va être beaucoup plus simple après de tout. Bah clairement de tout rejoindre quoi. Donc c'est cool. Puis voilà le hall Tony Garnier. En vrai il est fat hein, le hall Tony Garnier quand même. Hein. Il est fat mais il était pas si compliqué que ça à faire honnêtement. Donc je suis assez content. Ouais franchement. Ouais. C'est guette. Bon allez on va faire le tra tram. Enfin du moins on va faire les voies de tram. Alors, est-ce que les voies de tram, je vais les faire comme ça? Parce que si je fais ça. Genre. Ça va peut-être faire un peu grand, non? J'imagine bien comme ça. Avec la délimitation au milieu. Et du coup. Comme ça. Ça peut faire la voie de tram, par exemple. Tac, 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 tac. Les deux voies. Est-ce que c'est grand ou pas? Je regardais vite fait ce que j'ai fait là-bas. Ouais, j'ai entendu mon Instagram bouger. Bah si, hein, t'inquiète. Ouais, faudrait que je le fasse aussi. Tiens, on a le hater qui se promène aujourd'hui. Il a envie de faire chier. Ça y est. Ça m'a pris exactement 491 jours. Ouais, tranquille quoi.
Bah non, bah du coup c'est des lignes de 4. Bah en fait on va juste faire des lignes de... Ah quoi que non, parce que si je veux refaire les tramways, il faut que je fasse des lignes de 4. Donc on va faire des lignes de 4, mais par contre du coup on va le mettre en blanc. Histoire que ça fasse pas trop vulgaire. Est-ce que c'est du béton? C'est du béton. Histoire que ça représente un petit peu quand même. Allez, dites bonjour aux haters dans les commentaires. Au robot bot là, qui met des dislikes. Peut-être marrant. Salut le robot. On va le faire en blanc pour faire vraiment la délimitation quand même. Parce qu'après, si je vais faire des tramways pour la déco, il vaut mieux que je fasse 4 comme j'ai fait sur du coup l'allée des lumières quoi. Enfin, ça serait bête de pas le faire quoi. Puis comme ça, on va juste mettre hop une ligne comme ça. Tac tac. Tac. Ouais, je pense qu'on l'est pas trop mal, vous voyez. Vous voyez un peu où que je veux en venir. Toi, ça fait ça. Ça, ça. Ça. Là. Puis comme ça, après, au pire, on pourra mettre un petit arrêt de tram ici, quoi. T'es un grand fou. Mais non. Prendre la terre cuite, cuite. Non, non, mais c'est juste... Ouais, mais c'est juste pour que ça ressemble aussi au déjà en fait au tram qu'on a fait à l'allée des lumières. Après, terre cuite. Putain, c'est où la terre cuite, ma parole. Voyons voir. Eh, mais attends, mec, je viens d'avoir. Mais comme ça tue en vrai. Du coup, merci pour ton idée. Mais juste en laissant, du coup. Mais ça fracasse comme ça en vrai. On met les deux lignes blanches comme ça et puis au milieu tu fais ça. C'est pas trop mal en vrai. Non mais merci du coup du coup de main. Enfin du conseil. Je pense que ça peut être stylé. Bon ça y est, hein, le hater là il a fait son comeback. Hein. On avait parlé la semaine dernière, tu vois. Malheureusement, voilà quoi. Il est toujours là. C'est quoi, on va faire jusqu'ici, hein. Que là, de toute façon, la route après on va la continuer. Parce que je vois que sur les plans, elle est un peu en tout droit. Donc, Allez, santé, hein. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Qui est d'accord avec lui? Saint-Étienne, je ne connais pas ce club. C'est un club? Ça joue au foot en Ligue 1? Non, non. C'était un très bon club. C'était. Tac. Allez, 14 dislikes quand même. Hein. Yo Victorien, ça va quoi? Bon, je le redis, hein, ne faites pas attention aux dislikes. Hein. C'est un putain de rageux qui m'a encore mis des bottes là. Mais qui vont disparaître quand YouTube fera le rendu de la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Bah oui, c'était. Bah non mais l'épopée des Verts les gars, y a pas à dire, c'est comme nous Lyon, hein, c'est pareil, hein. Lyon ont eu un temps vraiment où ils étaient imbattables. Voilà, espérant qu'ils redeviennent, tu vois. Là en ce moment c'est Paris, enfin, qui commence à être de plus en plus battable, hein, bien sûr. Il y a eu Santé, à un moment il y a eu Lille, il y a eu Bordeaux. Oh bah oui, écoute, ça va très bien Victorien, ça va, ça va. Tu vois, comme tu peux le voir, du coup on est en train de faire le Holtony Garnier. Hein. On s'ennuie tellement sur la carte du Groupama Stadium que du coup on est obligé de recréer des choses. Non mais après, enfin voilà, je suis taré dans ma tête. On me le dit souvent, je suis taré. Mais dès que j'ai un truc, toi. Je suis obligé de le finir, quoi.
Au passage, je vous ai bien eu quand même pour Poisson d'Avril là. Hein. Et vous savez que j'ai reçu énormément de messages en plus. Genre en mode, mais non, sérieux, c'est vrai et tout, t'es pas deg et tout. Bon, il y en a qui ont cru, hein, clairement, il y en a qui ont cru, il y en a qui ont pas cru, il y en a qui ont clairement cru. Vous êtes toujours dans le top, nous, le maintien, c'est dur. Bah là, cette année, c'est dur, vous. Depuis que Galtier est parti, c'est pas facile. Galtier, il serait resté en vrai, je pense que. Saint-Étienne serait pas où ils sont actuellement. Bah, du coup, je pense pas que Lille serait où ils sont actuellement aussi. Mais. Ça se voit que. Enfin, c'est là que tu vois que l'entraîneur, il était quand même important à Saint-Étienne, quoi, clairement. Après, je vois aussi les rumeurs qu'apparemment, il pourrait venir à. Pourrait venir à Lyon, je fais ouais, pourquoi pas. C'est un bon entraîneur en soi, toi. À la limite, je préférais Galtier à Rudy Garcia, tu vois, genre. Même s'il a entraîné Santé, quand même. Du coup, on va faire ça, on va rejoindre les deux routes. On va pouvoir faire un truc bien sympa. Puis comme ça, au moins, on aura quadrillé un petit peu la zone du hall Tony Garnier. Comme ça, au moins, on est sûr de pas se tromper. Et puis comme ça, on fait les choses, toi, dans l'ordre qui soit. Comme ça, après, on va pouvoir continuer. Tac. Puis après, bah, moi, je créerai mon petit métro hors caméra. Tranquille, quoi. Ça va rendre joli. Ouais. Non mais en vrai, mais enfin moi j'ai rien contre Galtier honnêtement. Il est super bon comme entraîneur. C'est un très bon entraîneur. C'est un très bon entraîneur. Mais j'ai vu que Lyon aussi serait sur Lucien Favre. Ça fait, hein, Lucien Favre. Ancien entraîneur de Dortmund. De Dortmund. Ancien entraîneur de. Il avait entraîné un club de Ligue 1, je me souviens plus c'est qui. Je me souviens plus c'est qui, putain. Mais ça peut être pas dégueu quoi. C'est quand même aussi un petit nom bien sympa, donc à voir quoi. Ah mais. Ouais, Nice, c'est ça, Nice, putain. J'avais complètement toi complètement oublié quoi. Du coup notre fameux Bruno Genesio qui est à Rennes. Sampaoli qui est à Marseille. En vrai, quand même, quand tu regardes en France, il y a eu des sacrés entraîneurs, quoi. Et puis il y en a encore toujours, hein, clairement. Il y a quand même des gros entraîneurs de renommée. Hein, genre. Pochettino à Paris, s'il te plaît. Genre, il y a eu Thomas Tuchel. Unai Emery, oui, comme ça qu'on dit. Unai Emery. Bah après, c'est Paris, hein, c'est pas la même chose. Il y a quand même eu du beau monde, quoi. Sur les gros clubs, je parle, il y a quand même du beau monde, quoi. Bon, après, Nantes, on n'en parle pas, hein, parce qu'ils ont eu 6 entraîneurs en 2 mois, là. C'est bon, quoi. Avec le Raymond Domenech qui se permet de. Qui se permet de critiquer les entraîneurs, mais limite, il fait pas mieux, quoi. Ça me rend fou, ça. Les gens qui critiquent. Mais qui font pas mieux, tu sais. Genre, quand on le regardait sur l'équipe 21 en train de faire ses débriefs là, tu sais, après l'équipe du soir, et qui disait, ouais, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Le gars, il fait pas mieux, quoi. Le gars, il est entraîneur, il fait pas mieux, quoi. Genre, depuis 2010, le gars, il a gagné aucun match, quoi. Enfin. C'est des entraîneurs en carton. Je te jure que même nous, là, même nous, on pourrait limite faire mieux, quoi. Grâce au management de FIFA, toi. C'est con, mais c'est vrai. Limite, on se débrouillerait mieux et je te parie qu'on pourrait même limite gagner un match, quoi. C'est avec Nantes. Enfin, c'est. Après, c'est con, hein. J'ai rien contre les Canaries, hein, mais. C'est. Vous êtes un peu dans le dur, quoi. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Parce que ça critique, mais ça fait pas mieux, quoi. Donc. Je me dis pourquoi quoi, tu vois, genre. Enfin, encore tu critiques et puis ouais, tu fais mieux. Bon, bah là, je veux. Au moins tes critiques, elles sont censées, tu vois. Tu expliques pourquoi il a eu tort, quoi. Mais. Mais en soi, ce qu'il a fait à.
Ce qu'il a fait à Nantes, ouais, non. Enfin, non. Non. Puis Combouari, il est venu, hop, direct, Nantes ont gagné, quoi. Enfin, c'est... Bon, après, Combouari, il a dit aussi que l'effectif, il était pour quelque chose. Allez, écoutez, c'était Zidane, mais sur le banc de Nantes, c'est un entraîneur de carrière FIFA. Mais ouais, bah voilà, bah, en fait, t'as résumé Domenech, gros. Clairement, c'est ça, quoi. C'est à chaque fois, il. Non, mais ça me tuait, quoi. Puis résultat, une fois que on le met entraîneur d'un club de Ligue 1. Bon, après, c'est Nantes, toi, mais c'est quand même un club de Ligue 1. Enfin, tu joues pas non plus le championnat du coin. Donc, tu joues la Farmers League, comme ils disent. Donc, j'ai envie de te dire, bon, après Nantes, voilà, c'est quand même. Enfin, c'est pas un petit club non plus, quoi. Nantes, ils ont eu quand même une bonne épopée aussi, quoi. Il y a eu des moments très forts à Nantes, quoi. Donc, c'est un peu un club historique, quoi. Et. Ouais, enfin, je sais pas. Moi, je comprends pas. Enfin, je sais pas, avant de critiquer, enfin, t'essayes de faire mieux, quoi. Si tu fais mieux, ouais, tu critiques, mais si tu fais pas mieux, bah, tu te la fermes, en fait, tout simplement, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est. Y a pas plus simple, hein. Clairement, quoi. Est-ce qu'on ferait pas une petite folie là, genre en mettant une petite séparation au milieu, même si je crois qu'il y en a pas, mais pourquoi pas mettre des petites barrières. Alors pas des barrières, mais peut-être un petit muret. Le petit muret, il est où le petit muret? S'il te plaît, le mur. Le mur. T'es où le mur? Le mur. C'est le mur. Je les ai pas passés là. Si, je les ai passés, là. Putain, sans les connaître, ils sont où les murs là? Oh. Ils étaient juste là. Est-ce qu'on mettrait pas des petits murs en. Bah, du coup, en ça. En muret de grès. T'as les gars, on va se croire en. Est-ce que ça rend bien ou pas, vous croyez? Est-ce que ça peut le faire? Pour faire vraiment la délimitation. Est-ce qu'on laisse neutre comme ça ou est-ce qu'on fait vraiment une petite délimitation Bon, pirate, vous savez quoi, on verra ça à la fin. On va pas s'emmerder à faire ça maintenant. Ça pareil, toi, c'est les petits détails à la con qu'on peaufinera à la fin. On va continuer la route. Parce que du coup la route on va la faire passer sur le tram quoi. Comme ça on va pouvoir finir cet endroit là. On va pouvoir comme ça bien peaufiner bah, le hall Tony Garnier quoi. Hop. Que là après hein, comme je vous ai dit on fait pas non plus là le schéma identique de ce qu'il y a à côté du hall Tony Garnier. Là c'est vraiment une fois que le monument est créé après c'est un petit peu aussi d'imagination et puis voilà de faire un truc propre. Hein. Avec le tram et tout, après voilà, c'est vraiment purement inventif là ce que je suis en train de faire par contre. Parce que je crois que c'est pas du tout comme ça. Donc, ça le fait, ouais. Bon, puis on verra ça après. Comme ça, tac. Ça va être les trottoirs hein, en fait. Hein. Je pense que vous avez compris quand même. Vous êtes pas bête quand même. Comme ça rejoint et puis voilà quoi, ça fait beau. Après, bien sûr, faudra mettre les lampadaires et tout. Puis du coup, bah, là, quand on aura fini, bah, je pense de toute façon après ce live, hein, après le live, de toute façon, le Tony Garnier sera à 95% fini. Après, j'aurai juste peut-être des lampadaires à mettre, de la déco. Et après, je vous ferai la vidéo, du coup, comme je vous ai expliqué, la petite vidéo que je ferai comme le Groupama Stadium pour chaque monument. C'est avec un petit temps de. Des petits plans de coupe et tout, bien sympatoche. Ça peut être stylé, quoi. On va faire ça de chaque côté, puis voilà. Ouais, ça va prendre forme quoi. Au moins, c'est un truc sensé quoi. Ouais, avec des roues, des trottoirs, un tramway. Je veux dire, voilà, ça va pas être non plus quelque chose qu'on va faire à l'arrache. C'est cool quoi. Du coup, par contre, pour la route, il va juste que je. Là, pour la route qui va traverser le tram, il va falloir que je mette juste une couleur unie à chaque fois pour voir vraiment la différence entre la route et les vrais passages de tram. Genre par exemple, bah en fait c'est con, on pourrait juste la continuer en noir quoi, clairement. Genre faire un truc comme ça. On va faire une petite hypothèse, vous me direz si ça vous va ou pas.
Ouais, je pense que ça peut être un bon délire en vrai. Genre, juste faire la délimitation du blanc, histoire juste de voir les rails. Et puis de laisser du coup comme ça. Puis après, recontinuer la route là. Et ça, on y met en noir quoi. Comme ça, on voit la route. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est une mauvaise idée ou si c'est une... c'est pas une si mauvaise idée. Ça fait vraiment le contraste route et puis chemin de tram quoi. Vous voyez? Ça fait la continuité de la route, puis comme ça, je pense que ça peut être stylé quoi. Yo Mathis, ça veut quoi? Bon bien sûr, on va juste faire ça aussi, histoire juste vraiment de hop, faire jusqu'au bout le la vraie délimitation. Je pense en vrai ça peut être stylé, non? Enfin, moi perso j'aime bien, après je sais pas si vous. J'attends un petit peu votre avis. J'ai liké, merci, c'est cool. Bon, de toute façon, pour ceux qui viennent d'arriver, vous inquiétez pas, les 14 dislikes, c'est pas grand chose, c'est un petit hater là qui a programmé un truc exprès à chaque fois. Sur tous mes lives quasiment. Il a que ça à foutre que. Voilà. C'est pas trop mal, je trouve, non? Ah merde, j'ai oublié là. Tac. Et puis comme ça, regardez. 1, 2, 3. Comme ça, le trottoir, on le continue là. Et genre après, notamment. Ouais, regardez. Non? Vous en pensez quoi? C'est pas trop mal, je trouve. Petit passage piéton, tranquille pépère. Alors par contre, est-ce que le passage piéton, je le ferais pas un petit peu plus décalé? Ouais, vite fait. Ouais, ça me gêne un peu. On va peut-être le faire un peu plus décalé. Ouais. Ouais, je préfère carrément. Ouais, je pense que comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est pas trop mal, non? On voit quand même bien la délimitation avec la route, le tram, passage piéton pour rester en toute sécurité, bien sûr. Pas faire le fou, quoi, toi. Ce serait bête. Puis ouais, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté pendant que j'y pense. Du coup, je suis à un bloc après. Donc là, tac. Enfin non, je vais même pas le faire maintenant parce que je sais même pas ce que je vais construire de l'autre côté. Et là, j'ai envie d'aller trop vite, vous voyez. Puis on va pas le faire maintenant, on sait jamais ce qu'il va y avoir de l'autre côté. Du coup, on va faire pareil là-bas. Puis c'est pas trop mal, quoi. T'en sors pas trop mal, là. Ça fait charmer, j'aime bien. On va faire pareil là-bas. Les talents de construction. Puis du coup, je pense que je vais vous faire la vidéo la semaine prochaine, à mon avis, il y a forte chance, du coup. Je pense que là, je vais après peaufiner tranquille en mettant des luminaires, de la déco et quoi que ce soit. Et puis voilà. On aura fait un monument. Enfin, du moins un monument. Hein. Aussi un monument de Lyon. Qui est quand même pas trop mal historique, quoi. Qui est emblématique de Lyon, quoi. Clairement, le hall Tony Garnier, les gars, c'est... Voilà quoi, vous pouvez pas passer à côté de Lyon quoi. Enfin, quand vous dites Tony... Old Tony Garnier, forcément, c'est. Pensez à tous les spectacles, les grandes stars qui sont arrivés là. Tu fais voir le groupe Groupama Stadium s'il te plaît, allez. Même parce que c'est toi. Hein. Okay, charmé, c'est vraiment charmé. Le groupe Imi Stadium. Tac.
Bon, je vais pas tout te montrer. Si tu veux les vestiaires, je vais te montrer les vestiaires, mais je vais pas tout te montrer quand même. Ça bug pas trop, tu sais. Ça bug légèrement, hein, mais alors vraiment, mais tout léger, quoi. C'est... Donc voilà les vestiaires. Donc là, voilà quoi. Ce qu'il y a de plus basique dans les vestiaires, hein, clairement. Le petit terrain d'entraînement, tac-tac. Voilà. Bon, je vais pas trop m'éterniser là parce que ça bug quand même pas trop mal, vous voyez. Il y a un peu trop d'entité là-dessus, là. Ça va. Puis là, c'est juste le couloir avec le bus, l'entrée. Puis voilà quoi. Bon, ça vous l'avez vu en live, hein, de toute façon. Tac. Du coup, je suis où là? Hop. Merci. C'était le but. C'était le but que ce soit magnifique. Bon, on peut peut-être atteindre les 20 petits likes là, non? T'as c'est ouf parce que dans mes recommandations sur YouTube à côté, je vois plein de trucs genre Indochine, Holtony Garnier, David Guetta, Holtony Garnier. Incroyable. Non, pas comme ça, non plus. Tac. Bon, désolé hein, si je ne parle pas beaucoup. Hein. J'ai pas grand-chose à dire là. Toi, je suis en pleine concentration en train de faire ma route. Clairement. Tac-tac. Moi, je l'ai fait là. Mais du coup, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ça, du coup. Alors, je fasse un truc comme ça. Bon, là, c'est pas très grave en soi. Tac. Comme ça, le passage piéton, on va le faire là. Là. C'est pas trop mal, là. C'est propre, 22 du, c'est propre. Je suis confiné car mon collège est fermé. Je pourrais suivre plus tes lives, sinon tes monuments sont splendides. Mais moi, j'ai pas autant de talent. Ouais, je te remercie. Bon, je te rassure là, je crois que c'est tout le monde qui est confiné. Hein. Mais non, je te remercie quoi. Mais alors, qu'est-ce que je me suis complètement trompé de l'autre côté par contre. Après, hein, comme j'ai dit, hein, tout le monde peut le faire en soi. Hein. C'est pas non plus. Je veux dire, on a tous. Voilà quoi. En soi, on a tous un talent caché. Hein. Non, mais c'est vrai, tout le monde peut le faire. Hein. Moi, je fais rien d'extraordinaire. Hein. C'est juste, voilà, c'est parce que je kiffe ce que je fais. Donc, c'est pour ça que j'essaye de le faire le plus réaliste possible. Puis le mieux, quoi. C'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Bon, bah voilà. Là, au moins, c'est quadrillé, on est bien. Là, vous pouvez maintenant marcher tranquille. Hop. Vous êtes sécurisé, t'as vu?
Non, mais c'est bien, je pense qu'on n'a pas trop mal réussi le haul Tony Garnier, je crois. Ouais. Je pense qu'on est plutôt pas mal en vrai. Hein. Je pense, ouais. Bah, faut la patience, mais comme je l'ai dit, hein, de toute façon, bon, là c'est le 30e épisode parce que du coup, bah, j'écris les groupes à ma stadium au début. Mais c'est vrai que, ouais, je pense que si j'aurais pas fait les vidéos sur YouTube, là, comme ça, moi je l'aurais jamais fini, quoi, clairement, quoi. Puis le confinement pardon, de l'année dernière a quand même pas mal aidé. Pour du moins bien le finaliser, quoi. Mais là, clairement, j'aurais la flemme de tout refaire. Hein. J'aurais clairement la flemme de tout refaire. Hein. Là, jamais de la vie je referais, quoi. C'est pas possible, quoi. Vu le temps que j'ai mis déjà, ouais, 491 jours. Hein. 491 jours. Quoi. Mais moi, j'ai du mal encore à. 480 jours. Putain. Ouais, quand même, ouais, 480 jours. Ouais, c'est ouais. Bon, on va peut-être faire la route hein, de ce côté-là, par contre. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bande de deux ici. Pour vraiment faire la séparation. Je crois que c'était pas le même quoi. What the fuck? Bah c'est ça en fait hein. C'est je me suis tellement mis dans la tête de faire en fait enfin bah de toute façon si t'as pas enfin je sais pas si t'as vu la vidéo du Groupama Stadium du coup mais sur ma chaîne du coup bah tu verras c'est la vidéo bande d'annonce de ma chaîne et je t'invite à la regarder si tu l'as pas regardée même tous ceux qui l'ont pas regardé je vous invite à la regarder d'ailleurs on est bientôt 5000 vues là je crois qu'on doit être à 4 900 et des bananes. Et tu verras tous les salons, tu verras vraiment bah, tous les détails clairement qu'il y a dans le stade quoi. Donc si vous l'avez pas vu les gars, bah, je vous invite fortement à la voir quoi. Je pense que vous verrez vraiment tout ce qu'il y a, c'est full, rien qu'à changer quoi. C'est vraiment tout ce qui a été construit dans le stade quoi, les salons, les vestiaires, tout ce qui est, ouais, enfin les salons et tout quoi. Rien à laisser au hasard quoi. Donc voilà. Je vous invite à aller la voir quoi. Moi je pense que la majorité ouais qui regarde de toute façon mes lives ont vu la vidéo, ce qui est logique j'ai envie de dire. Mais des fois on sait jamais, hein, des fois. Dès que tu passes à côté, tu fais. T'as le seum quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la route. Hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tac, tac. Bon, aujourd'hui, là, c'est vraiment construction route, trottoir, métro. Hein. Enfin, tramway. Hein. Je suis désolé. Mais hein, ça va faire comme les épisodes du Groupama Stadium où je me rappelle, on l'avait passé à. Quand même pas mal de temps à chaque fois pour faire les places de parking, pour faire plein de trucs comme ça. C'est con, hein, mais c'est des petits détails, bon, qui est pas forcément très intéressant à regarder, mais qui apporte un plus en fait sur la carte, quoi, clairement. Donc, c'est à la fin, tu te dis, ah putain, c'est vrai que ça rend bien, quoi. C'est vrai que quand c'est vide et tout, bon bah voilà, quoi. Bon bah du coup bah tu le regarderas, tu verras. Et tu verras le fruit de 491 jours de boulot intensif, non je déconne, avec mes collègues. Qui d'ailleurs je le répète hein, mais a fait beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, plein de partages, des articles sur les journaux, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Pas trop c'est un peu le mérite quoi tout
Mais c'est incroyable parce que le Hall Tony Garnier, honnêtement, j'ai quand même eu. Je sais pas, de la facilité. Alors, c'est con à dire, hein, clairement. Je sais clairement con à dire, mais je pense honnêtement que j'aurais. Si j'aurais pas eu. Enfin, je pense qu'en construisant le Groupama Stadium, clairement, ça m'a donné encore une expérience plus dans. Même plus dans le build sur Minecraft, quoi. Et c'est, je crois que c'est à Louis, à Trix, du coup, que j'avais demandé ça. S'il n'existait pas un certificat professionnel de pro builder sur Minecraft. Imaginez quoi. Tu sais, un espèce de. Un petit examen, tu sais, avec tout ce que t'as construit, on va dire, sur Minecraft. Et qu'au final, en fait, il te décerne un trophée de que t'es pro builder sur Minecraft. Ça serait fou en vrai. Je sais pas si ça existe. Je pense que ça peut exister en vrai. Ça serait fou quoi. Un certificat de pro builder Minecraft. Imaginez quoi. Pour ma part, je pense que ça serait pas immérité quoi. Mais après. Je sais pas comment on fait pour devenir pro builder Minecraft en vrai. Les pro builders Minecraft, ils font quoi de plus sans déconner? Enfin, je sais pas. Parce qu'en plus, ils jouent sur PC, donc c'est un peu plus facile. Moi, je suis sur console, quoi. Enfin, je sais pas. J'aimerais bien en fait avoir le statut de pro builder, mais je sais pas. C'est vraiment avoir un statut certifié de pro builder Minecraft. En vrai, ça serait quand même bien, quoi, tu vois. Après, je dis pas, hein, il y a des choses qui sont beaucoup plus beaux, hein. J'ai genre tous les détails et si, admettons, je pense que pour être pro builder, faut quand même que les détails soient putain de bien oufissime et tout. Après, nous, on est sur console, donc c'est pas la même chose, quoi. Quand t'es sur console et quand t'es sur PC, c'est pas du tout la même chose. Mais ouais, je sais pas, en vrai. Pro builder Minecraft. Ouais, faudrait que je m'y intéresse pour voir quand même. Yo, S2 fan Désolé si j'écorche un peu ton nom. Ouais, je pense, mais de toute façon, Minecraft, même si tu les identifies ou tu leur envoies des messages, ils s'en battent un peu les steaks. Tu vois, tu rigoles, t'as vu... Ouais, non, mais oui, non, mais après, des fois, c'est tellement exigeant les trucs comme ça que. Je sais pas quoi. Mais après, ouais, je pense que ça serait pas immérité si j'aurais un petit statut pro builder. J'avoue, quoi, ça ferait un petit plus pour la chaîne et tout, toi. C'est un petit peu aussi un travail accompli, quoi. Certificat de pro builder Minecraft, s'il te plaît. Ce serait ouf, en vrai. Tac. Oh, non, c'est stylé en vrai. Là, clairement, la route, elle est pas mal, quoi. On va faire les trois bandes de trottoir de l'autre côté. Puis voilà. Donc, ça fait tac. Non. On est pas trop mal. Comme ça, après, on pourra continuer pour faire un truc de l'autre côté. Très important de faire les routes au fur et à mesure. Tu sais, de pas tout. Imagine, je me trompe d'un bloc et bah tout est décalé quoi. Ouais. Lyon joue contre Lens, ça joue à Lens. Ça va être chaud parce que Lens sont quand même 5e. C'est les promus, mais des sacrés promus hein, cette saison. Ouais, je sais pas. J'ai un peu peur du match au piège quoi, clairement. En sachant qu'en plus là maintenant on n'a plus le droit à l'erreur quoi. Lyon clairement s'ils veulent gagner le titre, il n'y a plus le droit à l'erreur quoi. Donc ouais quoi, enfin je sais pas, je. Demain ouais je sens un peu le match piège arriver toi, genre je suis pas trop confiant quoi. Après au match aller, honnêtement j'étais pareil, j'étais pas trop confiant. On menait 3-0 mais après on s'est fait reprendre à 3-2, c'était assez chaud tu vois. Là j'ai un peu peur, en plus vu que ça joue à Lens, j'ai un peu peur. Qu'on se fasse un peu maltraiter quoi, tu vois. Après, je peux me tromper, hein, mais je sais pas. Je pense que ça va être chaud en vrai. Hein. Ouais, bah ouais. Putain, c'est chiant hein, le Covid, hein, putain. Peut plus rien faire et tout là. C'est trop casse-couille. Même moi, du coup, au niveau de mes projets sur YouTube et tout, c'est un peu.
C'est un peu éteint parce que du coup, bah, à la base, moi, je voulais vous proposer des vlogs où j'allais au stade et tout. C'est vrai que bah là, du coup, mes projets tombent à l'eau, quoi. Donc, le seul stade qu'on peut visiter de Lyon, là, c'est sur Minecraft, quoi. C'est con, mais c'est vrai. Donc bon, ça permet d'être encore un petit peu là, sans être là, quoi. Mais c'est vrai que ouais, vivement qu'on puisse retourner supporter notre équipe, parce que putain, c'est pas une vie, ça. T'as l'impression de perdre 2 ans de ta vie, déjà. C'est chiant, quoi. Tac. Ah voilà. Là, on est pas trop mal. On est vraiment pas trop mal. Imaginez un petit peu, hop, tout le quartier comme ça, là. Ah, ça va être une tuerie, en vrai. Ça va être une tuerie. Après, on se créera des petits arrêts. Un truc automatisé propre. On fera par la suite. Comme ça, dès que vous choisissez, tiens, je vais aller au Tony Garnier, tac, tiens, je vais aller à Confluence, tac, tiens, je vais aller au Groupama Stadium, tac. Eh. On va GG ici encore, je vous jure. C'est abusé, quoi. Pareil, j'aimerais bien aussi me faire la piscine au bord du Rhône. Ouais, bah, ouais. Ah, je pense, t'inquiète, hein, t'es pas le seul, je pense qu'on a tous un peu le seum, hein, en soi. Eh bon, malheureusement, c'est comme ça, quoi. On peut pas y faire grand-chose. On est obligé de vivre avec, quoi. Du coup, alors ça, c'est les portails, du coup. Oui, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Okay. Là. Ouais, ça fait déjà un petit peu plus fourni quand même. Toi, on voit bien les trucs. Ok, propre. C'est propito tout ça. T'arrives là, c'est joli quoi. Tu vois que c'est l'old Tony Garni quoi. T'arrives, tu prends la route, tac, tu passes devant le hall Tony Garnier au calme. Tac, tu prends le métro au calme. La banque, tu passes, guichet, hop, David Guetta, ouh, trop la fête, ouh. Tac. Bam, tu rentres dans la salle et là, bim, salle de concert. Pétage de câble, ça y est. Enfin, voilà quoi. Petite avancée encore dans ce fameux. Je vais même plus appeler ce stade, je vais appeler ce monde, ce magnifique monde. Bah moi, à la base, en 2020, je devais aller voir France-Finlande au Groupama Stadium, et du coup, bah, ça a été repoussé, du coup, on m'a remboursé, tac, voilà, rien. Bah, à la base, je devais aller voir ouais, l'équipe de France, quoi, à Lyon. C'était en juin, je crois, ou non? En juillet, je sais plus ce que c'était. C'était en juin, je crois. C'était un match amical contre la Finlande. Je me rappelle. C'est super grand. Bah ouais. Bah c'est l'Old Tony Garnier quoi. Il est assez fat, ouais. Bon, du coup, je vais essayer un truc, voir de nuit ce que ça donne. Parce que j'avais mis des lumières, mais ça bug pas trop à hein, Minecraft, hein, ça. Alors, tac. R. Bon, il manque clairement de la luminosité, hein, comme vous pouvez le voir. Il manque clairement des lumières, mais ça, je peux finirai du coup hors cam. Bon, ça va, c'est pas si dégueu que ça, quoi. C'est pas si vilain. Alors juste à mettre des lampadaires peut-être au milieu, ici. Histoire quand même que ça soit éclairé, quoi. Ce serait con que ce soit pas éclairé.
Merci pour les 20 petits pouces bleus, ça fait plaisir. Tac. Yositron. Salut, tu penses qu'on peut être champion? Je pense qu'on peut être champion si on gagne encore tous nos matchs. Après, si on perd des matchs bêtement, je pense que non. Non. En soi, déjà là, ça va être quand même très tendu. 4, 5, 6. Ça va être quand même très très tendu. Donc, ouais, je sais pas. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, hein. Je voudrais trop te rencontrer, ce serait génial. Et ouais, il manque des lumières. Ouais, bah moi aussi, j'aimerais tous vous rencontrer, ce serait cool. Mais après, comme j'avais dit, du coup, avec mes confrères de. Avec Olivier et puis Louis, c'est le jour où on pourra aller au Groupama Stadium, vraiment comme avant, clairement retrouver la vie d'avant, et puis refaire, bah voilà quoi, tranquille quoi, comme avant. Genre. Je vais sûrement de toute façon aller voir des matchs à Lyon et tout. Et justement pour mes projets du coup YouTube et puis même comme ça, quoi. Mais je pense que ça sera pour mes vlogs justement footballistiques. Et de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous allez y voir. Je vais vous le dire qu'elles sont. Ah, tiens, je vais voir ceci, je vais voir ça. Quand, à quelle heure, tiens, je serai ici. Et genre, ça serait cool que tous les abonnés, enfin pas tous les abonnés, mais genre tous ceux qui ce jour-là seront par exemple au stade. Je sais pas, qu'on se retrouve, un truc comme ça. Après, je dis pas attention, je suis pas non plus une star, hein, qu'avez-vous. Hein, mais c'est vrai qu'à mon avis, je pense qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous, je pense, qui aimeraient, je pense, je sais pas, juste discuter entre avec moi, Olivier, Louis. Ce serait cool, quoi, de vous rencontrer en vrai, quoi. Genre, toi, je sais pas, autour d'un petit coca, t'as vu avant le match ou après le match, toi. Genre, ben, ça sera plus ça avant, je pense. Mais ouais, pourquoi pas, ça serait cool, quoi. En plus, c'est con, mais j'aurai le maillot de Lyon avec marqué mon pseudo Red Lips derrière, donc du coup, forcément, je serais peut-être plus reconnaissable, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, enfin, comme je l'ai dit, le jour où on pourra retourner au stade, si vous me voyez au stade, les gars, venez vers moi, n'hésitez pas, quoi. Si vous avez des trucs à me demander, je sais pas, une photo, genre ça. Hein. Mais franchement, les gars, enfin, ça sera avec grand plaisir, hein. Enfin, moi, je recale personne. Hein. Je serais même timide pour vous. Là, toi, là, je suis derrière mon ordinateur, donc c'était pas pareil, vous voyez, mais on se parle virtuellement, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, je vais être timide, quoi. Genre. Là, vous allez voir un autre Red Lips, toi. Ouais, mais moi, j'habite pas à Lyon, hein, c'est ça le truc. T'habites vers où, à peu près? Enfin, dis-moi pas. Photo. Non, mais calme-toi, ne bouge pas, star. Non, mais c'est vrai, une petite photo, ouais, c'est. Si vous voulez une petite photo, on fera une petite photo, c'est cool, toi. Mais tranquille, quoi. Je suis pas non plus. Je suis pas une resta non plus. Je suis quelqu'un de normal. Hein. Je fais le Groupama Stadium sur Minecraft. Oui, bon, j'avoue. C'est pas trop mal, quoi. Saint-Quentin, ouais, mais c'est dans le nord, ça, je connais. Bon, ça va, c'est pas très loin. Mais tu sais quoi, t'habites plus près de chez moi que de Lyon. Hein. Bah pour te dire, je suis pas très loin de Dijon. Donc moi, ouais, je suis peut-être à 1h30 de Lyon. Toi, tu es à 2-3 heures de chez moi, quoi, un truc comme ça. Là 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 là. Bon, tac. On va mettre les lampadaires. T'as vu? Lampadaires, t'as vu? Faut que j'arrive à calculer, quoi. Oh la baise. Ouais, fuck, hein, clairement, j'ai pas envie de les faire. Hein. Ah, j'ai la flemme de faire les lampadaires, putain, je vous jure. Pourquoi j'ai la flemme comme ça? En fait, je vois qu'il y en a tellement à faire, laisse tomber, quoi. Ah, peut-être faire les traits sur la route. Ah, mais attends, mais si je fais les traits sur la route, ça veut dire que je pourrais peut-être. Du coup, les traits, comment ça se passe? 1, 2, 3. Si je fais ça, non. Si je fais ça tous les 3, est-ce que ça va faire beau? Et ça va pas faire beau.
1, 2, 3, pique. Franchement, j'ai été bête de mettre du noir aussi. Ouais, tous les trois, ça peut être stylé, non? Allez, on va faire ça. Tu viens quand tu veux, t'es la bienvenue. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais comme connerie? Bon, de toute façon, on va arrêter le live vers 23h, hein, comme samedi dernier. Ça fera 2 heures de live, ce sera déjà pas trop mal, je pense. Hein. Puis ça m'évitera de dire plein de conneries encore. C'est chiant, je jure. C'est con, hein, mais c'est. Des fois, il y a des choses qui sont grave. Grave conne à faire, qui est grave chiant, c'est comme tout. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, ça apporte tellement un truc en plus. Ça rend un truc un peu plus joli et un peu plus fini, on va dire, c'est comme ça. Donc, des fois, faut pas hésiter à mettre plus de détails. Je me rappelle, hein, j'ai fait chier Olivier, j'ai fait chier Louis, j'ai fait chier Max aussi. Angelo, j'ai fait chier tout le monde avec qui ils m'ont aidé sur le stade. Pour dire non, faut faire ça comme ça, c'est pas symétrique, bordel, machin chouette. Ils disent, oh, t'es chiant, nanana. J'en fais, ouais, je suis peut-être chiant, mais bon, au moins. C'est la perfection, je suis perfectionniste, toi. Puis résultat, bah voilà quoi. Ça paye toujours. Vaut mieux mettre 5 minutes en plus et puis faire un travail bien que bâcler le truc et puis au final. Tout recommencer quoi. C'est con hein mais. Puis j'ai horreur de tout recommencer en plus. Donc. J'aime bien de réussir tout du premier coup, si vous voyez quoi je veux parler. Donc. Voilà quoi. Contre Marseille, les pénaltys étaient abusés, ouais de ouf. Non arrête pas, je kiffe ton live. Ouais je sais, mais bon après moi j'ai une vie aussi. Hein. En vrai, si ouais, je vais teaser un truc. Mais genre, si j'ai les 5 000 abonnés dans pas si longtemps que ça. Hein, bon, déjà les 4 000, ce serait déjà bien. Mais je pense qu'à 5 000 abonnés, je fais un live genre 24 heures, tu vois. Puis là, on fera vraiment des dingueries, je pense. Donc à vous de jouer, faut partager la chaîne en masse. Les gars, je sais pas si j'ai l'impression de faire de l'ASMR avec la manette, que c'est bizarre. Non, attendez. 1, 2, 3. Je suis. Mais. Putain, les gars, j'ai même pas calculé, je vous jure, j'ai même pas calculé, mais tout est symétrique, quoi. Putain, mais oh. Non, mais appelez-moi. Je. Non, appelez-moi Dieu, quoi. Tu sais pas ce que c'est. Et moi Dieu. Combien de fois ça l'a fait dans le stade où que genre j'avais pas du tout calculé le truc et que c'est tombé pile poil symétrique. Ça c'est le talent ça. Ça c'est le talent. Clairement. Hein. Genre à un moment donné je pense que le jeu il est avec moi toi. Autant sur FIFA, genre sur FIFA 21 je suis vraiment une quiche cette année quoi. Enfin voilà quoi. Mais non mais clairement là sur Minecraft le jeu il m'aime quoi. Le jeu même, c'est. Je. Ouais, le jeu même. C'est con, hein, mais le jeu, il m'aime. Je pense que le jeu, il m'aime, clairement. C'est tellement satisfaisant, en plus de. Putain, de. D'avoir de la symétrie aussi parfaite, quoi, putain. Oh. Non, mais voilà, après, c'est tout, hein, c'est. C'est beau. Pourquoi c'est beau comme ça? Pourquoi? Pourquoi c'est joli? Pourquoi c'est joli? Hein, pourquoi?
Mais je sais pas pourquoi c'est joli. Dites-moi pourquoi c'est joli. C'est joli. Pourquoi c'est joli? Pourquoi c'est joli? Tac. Par contre, ouais, du coup, faut juste que je fasse les bandes quand même. Ce serait con, quoi. Oui. J'ai oublié de faire tout ça à chaque fois. Toi, l'ego, comment il en prend un coup aussi là? À chaque fois que je fais un truc, tout va bien. Vous voulez que je dise quoi à un moment donné? Même si le jeu il m'aide, le jeu m'aide, le jeu il m'aime, le jeu il m'aide, il fait tout ce qu'il veut le jeu. Tu vois, dis bon allez, tu sais quoi, lui c'est un bon, vas-y on va t'aider. C'est limite ça, hein, clairement. Ah mais c'est ça, je pense. Dès qu'en fait trop, tu sais, moi ouais, je pense. Ouais. Bon attention. Bien sûr, je dis ça pour rigoler, parce qu'on va encore me dire après que je sois arrogant. Donc, on va éviter quand même. On va se calmer. Bon, voilà. Ouah, j'ai loupé. Frère, j'ai loupé mon bureau, quoi. Ah, ça y est, à Olivier et Maxence, ça y est, là, ils sont en vocal. Là, je vous parle, ils vont rigoler comme des. Comme des. Des petits teubés. Ouais, non, mais. Ah, vous inquiétez pas. Ah, j'arrive, j'arrive. T'es quoi dans une demi-heure, j'arrive. Voilà. Il est bien. Ah, rigolez bien, rigolez bien. Vous inquiétez pas, j'arrive. Ah, un V1 Rust là. J'ai même pas fait la mise à jour en plus qu'à l'œuf. 1, 2, 3. Bon, allez, on va faire ce côté-là. C'est reparti pour l'ASMR manette. Ou alors, par contre, il y a un truc qui me stresse, c'est ça quoi. Mais non, mais tu te fous de ma gueule. Oh. Hop. Parce que tu gères. Non, arrête pas, je suis sur le. Déjà, j'ai bugué, ça m'a fait quitter contre Marseille. Quel message? ça y est, les admins sont là. Oh, vous savez quoi là? Trix, Olivier et puis Max là. Ah, c'est quoi? Ah, je vous pine 3v1 moi. Pépépépépé. Et merde, c'était pas la mage. Ouais, j'avoue, j'ai pas fait la mise à jour, quoi. Putain. Non, mais Rocket League, 3v1 Rocket League, les gars. De toute façon, on peut même pas, quoi. Putain, sur FIFA 22, ce serait bien qu'ils mettent du 2v2 en ligne, quoi. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis d'ailleurs, parce qu'en vrai, c'est chiant, quoi. On pourrait tellement faire des délires, quoi, laisse tomber.
Putain, mais je l'ai fait aussi grande la route là, comment ça se passe là? Putain, je pense que ça finit jamais que. Et 1, 2, 3, impeccable. Je me suis pas trompé. Oh, c'était synchro. Oh là là. Non mais les gars, oh. Ouais, ok, je veux bien. Tac. Voilà. Quel message, Matisse? Récris-le-moi si tu veux. Parce que. Il y en a un sûr, il va se défier, truc sinueux. Ça y est, clash de modo. Pas de oiseaux dans l'établissement, s'il vous plaît. Vous savez quoi, je vais faire la route aussi ici. Si je peux la faire symétrique, ce serait pas trop mal. Yo, Lorine, ça veut quoi? Mon Scarlof. Mais j'ai pas fait la mage quoi. Et puis c'est là si je balance la mage, à mon avis, tape le live comme il va bugger quoi. Maintenant Call of c'est plus que c'était hein. Ça c'est construction de route aujourd'hui hein. Mon Dieu c'est je suis ouais je suis le goudron de l'extrême quoi. Pourquoi tu. Mais j'ai ton message, je le vois pas, mec. Tu me dis, regarde ton message un peu plus haut. Réécris le message, enfin. Réécris du coup ta demande, parce que je. Moi, je le verrai. Que j'ai pas du tout le voir, du coup. Désolé. T'inquiète, je trouve. Je sais pas. J'ai juste pas vu ton message, en fait. M'en veux pas, s'il te plaît. Normalement, je suis symétrique. Hein. Oui. Bon, voyons voir la symétrie. Allez. On croise les doigts pour que ça soit aussi parfait que les routes sur le côté. On l'espère. Allez, on y croit. Le suspense est à son comble. On s'approche bientôt. C'est le suspense. C'est le suspense. Tu connais le suspense? Attention, le suspense, il arrive. 1, 2, 3. Non mais réécris-moi Mathis le message que tu voulais que je lise. Ça ira plus vite parce que je vais pas le chercher pendant 20 ans. De toute façon après avec Olivier puis Max on va aller poutrer du gens sur Keket League. Pardon, il est mineur dans la salle. On va peut-être éviter de faire l'affront que je viens de faire. Ne faites pas ça, ok. C'est pas conseillé. On va, on n'a rien vu, on rembobine les gars, on ferme les yeux.
Vous avez cligné des yeux, vous avez rien vu. Hein, c'était pas du tout voulu, c'était pas du tout voulu, c'était pas. Non, non, fragile, quoi. Fragile. 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 Ben voilà, on a fait les croûtes, on a fait les routes. Faudra juste que je fasse les lampadaires. Faut que je fasse les lampadaires. Me chauffe pas. Bah t'es un fragile. Vas-y Max, la chauffe-le. Fragile, c'est un fragile. D'ailleurs, ça vous intéresserait, genre un vidéo montage de tous les buts qu'on met là avec la team BG87. Parce qu'en fait, du coup, maintenant, en fait, ouais, on vous a pas dit. Tain, on est 11 sur live, bien. Genre, en fait, je vous ai pas dit, mais merci, Laurine, c'est gentil. Et genre, du coup, donc avec Max, Trix, Angelo, moi et puis Olivier, du coup, on est la BG87. Non pas pour Beau Gosse, mais pour Bad Gun 87. Non, mais ce que je tiens à préciser quand même, parce que sinon vous allez dire plutôt les gays, s'ils se croient pour des BG. Bon, les BG, ok, mais. Non, mais je veux dire, voilà quoi. Donc, si des fois dans le titre vous voyez. Genre, compilation des plus mauvais buts de la BG 87, c'est pas un beau gosse quoi, c'est Bad Gun 87. Non, mais je tiens à le préciser quand même, parce que. Donc voilà quoi. La team BG 87. Fracas. Hein? On prend des matraques et on va casser des. Je vais pas dire la suite. Hein. Yo, Nel, ça vaut quoi? Comment on va? Steve, je voulais aller voir ton stade ce soir. Bah, grave. Bah viens là maintenant là si tu veux là. Je finis mon live vers 23h, t'as une demi-heure gros. Je vais te faire une dédicace. Bah vas-y. C'est trop classe, tu arrêtes le live quand? J'arrête le live à 23h. En gros tout mélange je fais 21h à 23h parce que je pense que 2h c'est déjà très bien toi. Donc là, je vais arrêter à 23h. J'ai quand même pas trop mal avancé en vrai. J'ai fait toutes les routes là. Et puis, j'ai fait le tram. En vrai, il est quasiment fini là, le Old Tony Garni. Hein. Sur YouTube. Bah, vas-y. Hein. Vas-y, vas-y, pas de soucis. Tu m'enverras. Tu as Instagram. Si t'as Instagram, tu m'enverras le. Si t'as Instagram, bah, mon Instagram est dans la description. Tu m'enverras le lien sur Instagram, ça m'intéresserait. J'irai voir ta chaîne comme ça. Bon bah voilà. Je vous ferai un petit sondage aussi sur Insta. Je vous ferai un sondage sur Insta si pour le prochain monument qu'on veut construire, c'est quoi? Genre, mais je pense que ça va être la tour Crayon, je crois, en soi. La part Dieu, quoi. T'as pas Insta, bon, c'est pas grave. Bah, attends, de toute façon. Je vais envoyer l'invitation à Trixiki. Tu vois que c'est que. Bon, vous savez, vous voyez tous mes amis, du coup. Hop. Toute façon, au pire, c'est ta chaîne YouTube, quoi. Enfin, je veux dire, ton pseudo là, c'est ta chaîne YouTube, quoi. Trop con. C'est quoi, je vais aller voir maintenant ta chaîne YouTube, je vais la mettre en onglet ouvert à côté. Putain, c'est pas YouTube ça. Con lui. Ok, c'est ça. Vidéo Rocket Soccer. Vidéo est-ce que. Ok, je vais la mettre de côté ta chaîne, tac, puis je verrai bien.
Moi, qu'est-ce qu'il me fallait? Ah, qu'est-ce qu'il me fallait? Merci, ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, bah voilà, on n'est pas trop mal, hein. On a encore fait encore une dinguerie, quoi. Dédicace demain. Yes. Eh bah, allez. Hein. Oh, pas de conneries, les amis. Hein. Je vous jure, vous faites des conneries, je vous déglingue. Olivier, non, tu veux pas que je t'invite aussi pendant que j'y suis? Je sais pas. Hein. Ah, pas de soucis, t'inquiète. Oh les gars, pas de dinguerie, rien du tout. Enfin, vous pouvez faire des dingueries, mais en bien, quoi. Pas en mal. Tac. Yo Jérémy, ça va quoi? Bra. Venez, viens, on fait tous une photo aussi. Ça peut être stylé, non? Je ressemble à un viking, t'as vu? Ok, juste de la TNT partout. Ouais, bah t'inquiète, moi je vais venir faire sauter ta baraque, gros. Hein? Oh, j'ai rendu. Yo, on addict, ça veut quoi? T'as les gars, je les invite, ils viennent même pas, tu sais. Ça y est. Ouah, quoi? Ça y est, de ces faits. J'ai pas compris. Mec, tu mets de la TNT, je te démonte. Ya. Je jure que je les invite, ils rejoignent même pas. Ça va faire une photo après. C'est beau, non? Bon, attends, je vais voir ta chaîne du coup. Je vais actualiser. Si merde, tiens, regarde. Là. Ya. Ah, Max, il a rejoint. Et Olivier, toujours le dernier. Voilà. Non, mais toujours. Yep. Regarde, je vais le faire maintenant. Bouge pas. Tac, 15 abonnés. Putain, mais ma parole quoi. Qui m'a sorti un Olivier pareil? Putain, mais t'es où? En plus, t'es hors ligne quoi, putain. Ma parole, t'es où? Je te vois pas, Olivier. T'es où? Sous ma gueule, quoi. Super.
Je t'ai perdu de vue, Olivier. Je t'ai perdu de vue, je répète. Je t'ai perdu de vue. Je ne trouve pas d'Olivier dans mes amis. Putain, mais vas-y. Ouah, dégage ça de suite, gros. Non, mais dis donc. Fou, hein. Putain, je t'avais trouvé. Ah, il est là, Olivier. Tac. T'étais gâché, gros. Comment c'était gâché? Oh. Bon, au passage, tous ceux qui regardent la rediffusion du live et le live, t'as allé vous abonner à Matisse. Ça va lui faire plaisir. Et au passage. Olivier a rejoint la partie. Mais non, c'est vrai? Déconne. Incroyable quoi, comment t'as fait? Eh non, on fait tous une photo, regardez. Allez, vous savez quoi? On fait une photo et on fait le clap de fin tous ensemble. Genre. Alors attendez, faut juste que jette un truc par contre. Tac. Alors attendez, attendez. Hop. Là. Allez, on se met tous à côté. Enlève ta potion, Mr. Tricks. Que t'es en invisible. Hein. Je sais pas ce que t'as. Attends, attends, rapprochez-vous un peu quand Regardez mon écran, les gars. Regardez mon écran et on se rapproche tous. Il en manque un, là. En manque un de ouf. Ah, toujours à faire des conneries. Ah, attends. Enlève ton seau, enlève ton truc. Un peu plus par la droite. Décale, décale. Décale, mets-toi mieux. Attends. Oh la galère. Mets-toi au milieu. Mets-toi. Oh putain. T'inquiète Mathis, pas de soucis. Voilà, nickel les gars, là on est bien. Attendez. Hop. Allez, petite photo. Tac, on fait un screen. Voilà. Impeccable. Tac. Merde, j'ai quitté mon live. Alors du coup, tac, on va faire ça. Bon là, c'était vraiment un live vraiment chill, hein. Tac. Impeccable. Ouais, oh, tu fermes ta gueule, toi. Mes amis vont être jaloux, mais non, t'inquiète. T'es le boss de YouTube? Ouais. Ouais, peut-être pas non plus, hein, mais ouais. Bon, allez, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce qu'en vrai, j'ai quasiment déjà. Enfin, là, clairement, le Tony Garnier, il est quasiment fini. Je pense qu'en vrai, on n'est pas trop mal. Et puis, ouah, pas le vert sur la carte. Ah non, 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 non. Mettez du rouge, du bleu, tout ce que vous voulez, mais pas du vert, les gars, vous avez craqué ou quoi? Parole. Ah, le craquage complet, le craquage complet. Bon, je vous dis sûrement peut-être à. Ouais, je vais sûrement refaire un. De toute façon, je vais faire la vidéo, je pense, cette semaine, avec toutes les cinématiques et tout. Je vais finir ça hors cam, tranquille.
Et puis voilà. Bah ouais, il y a un petit décalage, ouais, je sais. Il y a un petit décalage de peut-être 15 secondes. Mais ouais, du coup, je ferai la vidéo du coup du Wolltonic Garni quand il sera fini avec les cinématiques et tout, comme j'ai fait pour JS. Du coup, je vous mettrai ça, je pense, la semaine prochaine en ligne. Et puis, je ferai une petite vidéo. Une vidéo, n'importe quoi. Je ferai un nouveau live, je pense, week-end prochain pour qu'on peut-être commencer du coup. Commencer un autre monument. Je vous mettrai un sondage sur Instagram. Donc, si c'est pas fait, bah, je vous invite à me suivre sur Instagram. Et j'en mettrai un au pire des cas sur YouTube dans l'onglet communauté. Donc voilà. Donc sur ce, bah, je vous dis bon week-end de Pâques à tous. Attention quand même au confinement, hein, au Covid. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, à samedi prochain. Je vous tiens juste sur Insta. Merci d'avoir été présent. Merci pour les likes. Ça fait plaisir. Et puis merci aux nouveaux abonnés. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Adios, amigos. Non, je déconne. Je vous dis à la prochaine. C'était Red Lips.